Alors, j'aimerais témoigner d'un cours en particulier, c'est les cours qu'on a pu avoir en EPS à l'INSPE. Faut dire que l'EPS, c'est parfois une matière un peu abstraite quand on révise pour passer le concours. Et j'ai trouvé vraiment bien que les profs déjà nous mettent en position d'élèves. Donc, ça veut dire que quand on allait à l'INSPE et qu'on avait EPS, on arrivait avec notre survêtement et nos baskets. Et c'était nous qui faisions en fait ce qu'on pourrait demander à des élèves en maternelle ou en école primaire. Et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'on soit actif, d'une part. Et d'autre part, ce qui m'a plu, c'est que ça changeait beaucoup des cours théoriques où nous étions assis en classe et nous devions écouter le prof. Là, ça nous permettait d'avoir une autre posture. Donc, si on n'est pas très bon en français ou si on n'est pas très bon en maths, mais qu'on est meilleur en EPS, bah, du coup, on passe des moments un peu plus sympas. Et puis aussi, ça nous permettait de nous dire que le métier d'enseignant, c'était quand même un métier assez large, où il fallait avoir aussi des connaissances dans le sport et ça rend le métier complet. Et puis aussi, à l'INSPE, on avait quand même vraiment du matériel à disposition, donc on a pu faire de la lutte, on a pu faire de la gym, on a pu faire de la course d'orientation, des jeux collectifs. Enfin voilà, l'équipe enseignante était vraiment bien et c'était une des matières que j'ai préférées pendant ces 2 années à l'INSPE.